Wesh les ultra BG, aujourd'hui nouvel unboxing. Vous savez qu'au bureau il y a une team Adidas, il y a une team Nike et moi je suis team confort. Et quand on parle de confort, c'est logique qu'on parle de ASICS. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que c'est ASICS, j'ai ma Adidas, mais c'est un truc qui me tient à cœur. C'est pas un unboxing, c'est une leçon style. Et aujourd'hui je vais t'habiller mon pote. On va prendre ta place. On est ensemble, non? Non, non, ensemble, de fou. Habille-moi bien aussi parce que. Ok, miné. Bon, il y a un mouvement dont on parle pas trop et qui est archi stylé. C'est le mouvement rétro 2000. Et on a reçu deux paires d'ASICS Archidar qui montrent parfaitement ce mouvement. C'est les ASICS Gel 1090 qui sont juste ici. De base, elles sont sorties en 2003 et elles ont été rééditées le 21 novembre 2019 à 100 €. L'air très très douce, à un très très bon prix. Bon, faut quand même qu'on parle histoire, mais avant de vous parler de tout ça, Cusmo, s'il te plaît, fais-nous tes plans Kitoko. En vrai, on peut pas parler du mouvement rétro 2000 sans parler du mouvement Dachu. What happened to your feet? What do you mean? These are my 407s. Oh, the 407s. Le délire Dachu, c'est le fait de porter les paires plus ou moins usées de nos parents qui portaient en toute détente pour aller faire les courses ou pour aller au barbecue ou pour faire du running. Et avec l'arrivée du vintage en masse ces 10 dernières années, les gens ont commencé à fouiller dans le dressing de leurs parents pour trouver des pièces archi stylées qu'ils pouvaient porter pour se démarquer. Du coup, on a pu voir des vraies paires faire leur comeback, comme la Monarch de chez Nike, la Classic Letter chez Reebok ou la Falkendorf aka Young One chez Adidas. La plupart des paires dans les années 80 à 2000 avaient à peu près les mêmes caractéristiques. Ils avaient, tu vois, ce délire un petit peu silver argenté mélangé à des couleurs fluo et du mesh. Toutes les marques en faisaient, que ce soit Adidas, Nike, New Balance, Mizuno ou Fila, c'est tous ces éléments là qui font le style rétro 2000 et ASICS sont archi chauds dans ce game. Et les meilleurs exemples, c'est la Gel 1150, la ASICS Gel Galaxy 5 et la ASICS GT 2120. Du coup, vu qu'ASICS est grave chaud dans ce délire et qu'ils sont là depuis un moment, on est parti voir des anciens du sneakers game, les BG Yass et Mounir d'Opium, Benzer, notre BG sûr, et notre petit coquin sûr, Larry Dead Stockman. Du coup, on leur a demandé ce qu'ils pensaient du mouvement rétro 2000 et s'ils savaient d'où ça venait. Pour moi, tout ce délire un peu métallique, ça vient du côté un peu... Avant les années 2000, on cherchait tout le monde cherchait des trucs un peu futuristes, tu vois. Tout le monde se disait, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et voilà, ça donne des côtés un peu brillants, des matières un peu nouvelles, un peu spé. À mon avis, ça vient de là. Et quand tu me parles de rétro 2000, je pense que le côté rétro 2000 vient de là. Le blaze même vient de là, à fond. C'est vraiment arrivé avec le phénomène d'Adshoes, en fait. C'est à partir de là, en fait, où... Peut-être pas qu'ASICS, mais toutes les marques un peu sont revenues à des silhouettes très milieu 90, fin 90, avec toutes ces silhouettes. P6000, on est dedans. Shox aussi, je pense que Shox aussi, on est vraiment dedans. T'as le silver et après, t'as beaucoup de 3M aussi qui vient s'ajouter sur le silver. Donc ça doit être purement... tendance à mon avis. Je pense que c'est vraiment une technicité qu'on apporte à la chaussure pour réfléchir. Je pense quand le mec, il court le soir et que... Ouais, pour côté pratique, ouais, peut-être. Je pense que ça doit être vraiment, ça a dû être développé en tout cas avec ça comme objectif, c'est vraiment de réfléchir la lumière, je pense. Pour moi, c'est la Dachu's, je pense que c'est un peu terminé, c'était la tendance 2018 et je pense que ce genre de modèle en fait a pris la suite de la Dachu's. On la voit beaucoup maintenant au pied des gens qui portaient des Dachu's auparavant. Ça reste très cool, après ça reste une paire très connotée running à utiliser pour le sport, mais les gens ils l'utilisent en mode lifestyle, colo. Très rétro, même au-delà des années 2000, coloris 90. Ouais, ça me rappelle un peu les Bioman, le truc métallique et tout, tu vois. Quand on parle de chaussures de course, je pense qu'il doit avoir, cette idée-là, effectivement, pour penser à la personne qui court et qu'on puisse l'identifier plus facilement dans la rue. Après, je pense qu'aussi, cette histoire de gold et cette histoire de silver, c'est effectivement quelque chose qu'on a récupéré au monde de la mode et qui, eux, l'utilisaient beaucoup dans quelques collection.
l'impression que c'est la période où commençait à avoir une émergence de films un peu, tu vois, avec un peu plus de budget et on donnait une dimension à des films. Et je pense que cette histoire de Silver vient de là. Ouais, tu vois, c'est la conquête de l'espace et tout. Je pense qu'il y a ça aussi. La première raison d'utiliser des matières graves, visibles et des couleurs fortes, c'était pour le running. En gros, si tu courais dans la forêt ou si tu courais dans la rue, tu croisais des véhicules. Ça permettait aux sportifs d'être vus et de courir en toute sécurité. C'est un héritage qui est grave resté vu que beaucoup de pères aujourd'hui utilisent ces matières réfléchissantes et surtout le 3F. Et quand on sait que l'univers de la sneaker c'est né du running, c'est grave logique de voir tous ces nouveaux modèles prendre les codes des pairs originales et de les voir retravaillés comme la GLK NO5 OG ou la Nike P6000. Mais il y a un deuxième mythe sur ce coloris rétro-futuriste, c'est la science-fiction. Et j'avoue que je suis un peu pour cette version. Beaucoup de marques ont fait des pairs très futuristes à un moment où la science-fiction et les avancées technologiques étaient en pleine explosion. Chaque marque avait plus ou moins sa vision du futur et imaginait des pairs architechniques pour le sport mais aussi pour le cinéma. La Puma RS Computer sortie en 1986 et la Adidas Micro PSR sortie en 1984 étaient grave des designs innovants pour l'époque et permettaient grâce à une certaine technologie de pouvoir enregistrer tes performances grâce à un podomètre intégré. Pour ce qui est du cinéma, on a eu droit à des vrais classiques comme la Nike Mag portée par Michael J. Fox dans Retour vers le futur 2 en 1989. Ou la Reebok Alien Stromper portée par Sigourney Weaver dans Alien en 1986. Depuis le programme Apollo, entre 1961 et 1972, la NASA a carrément changé le game dans le monde de la sneakers avec la technique de moulage par soufflage de caoutchouc. De base, cette technique était utilisée pour fabriquer les casques, mais la technique a été réutilisée dans le monde de la sneakers pour créer des semelles creuses qui pouvaient être remplies avec des matières qui pouvaient absorber le choc. C'est exactement à quoi servent les technologies Air de Nike, le Boost d'Adidas ou le Gel d'Asics. Pour les marques, ça a toujours été une guerre qui avait la paire la plus performante mais aussi la plus stylée. Mais le gel d'Asics est là depuis plus de 40 ans et a grave fait ses preuves. La technologie gel d'Asics est composée de bêta-gel, une technologie qui a été inventée au Japon pour réduire l'impact des séismes et absorber les chocs les plus violents. Ils ont même prouvé qu'une plaque de bêta-gel de 330 mm² pouvait arrêter la chute d'un œuf sur 22 mètres sans qu'il se casse. Vu que la marque est présente limite depuis la création des sneakers, on est reparti voir nos BG. On leur a demandé ce qu'ils pensaient d'Asics et comment ils ont vu la marque évoluer pendant toutes ces années. Si tu veux, ASICS, ils sont arrivés dans un domaine qui était vraiment la performance. Courant des années 2000-2010, il y a eu un véritable changement, en fait, où t'as tout le conso lifestyle, très street, qui allait chercher, en fait, ces modèles-là dans la performance, qui se les accaparait, qui les ramenait à la street. T'as eu toutes les technologies gel avec tout ce qui était Quantum, Nimbus, qui ont été accaparés un peu par la street et qui sont venus sur le bitume, quoi. Qui sont complètement détachés ce registre performance. Et ce qui est marrant finalement, c'est que le développement qui a été fait sur ces paires, c'était la recherche du confort avec tout le gel, toute la semelle en gel. Et finalement, quand t'entends les kids aujourd'hui ou il y a quelques années, c'était un argument qu'ils mettaient en avant, c'était le confort en fait. Ils avaient une paire qui était cool, qui était très technique, mais qui était super confortable. Moi, après, ce que ça m'inspire à ASICS, bah, j'ai bien aimé leur collaboration. Ça reste une bonne marque. Ils ont peut-être un petit peu perdu du terrain avec les autres marques. Nike qui fait très très fort avec des collabs et des modèles emblématiques toutes les semaines, ils te balancent une sauce incroyable, donc c'est dur de rivaliser. Mais comme je disais, ça, c'est des paires qui font leur petit bonhomme de chemin tout seul, donc ouais, c'est cool. Bah, il y a un moment où c'était vraiment des produits que pour courir, avant 2010 je dirais, c'était que des modèles pour courir, en tout cas c'est sur ça qu'on les connaissait. Ils ont introduit le lifestyle avec les GL3 et compagnie, ça a pas marché jusqu'à ce que Ronnie Fig, Soulbox mettent leur nez dedans et fassent des produits, bah, parlent un peu plus aux sneaker addicts entre guillemets. Du coup, pendant 4-5 ans, c'était que le lifestyle. C'est un peu tombé. Et là, maintenant, depuis 2-3 ans, 4 ans même, c'est le retour à fond de sportswear. C'est plus lifestyle. C'est que vraiment des chaussures techniques pour faire de la course que les mecs se sont appropriées pour porter dans la rue. En vérité, pour une marque, et en particulier pour ASICS, c'est une aubaine de pouvoir mettre sur le marché des produits qui sont dédiés à de la performance et que la street se l'accapare, les kids en particulier. Et en fait, c'est l'une des plus belles pubs qu'on peut faire à un produit. C'est carton
cartonne auprès des jeunes. Effectivement, comme a dit Mounir, c'est une question de confort. Encore une fois, pour une marque, de voir un produit qui a été fait uniquement pour la course et qu'on peut retrouver partout auprès des jeunes et auprès d'une clientèle qui n'était pas ciblée à la base, encore une fois, c'est une aubaine magnifique pour une marque. Moi, j'ai toujours dit, enfin, on a toujours dit qu'il n'y a pas pire pour une marque de créer quelque chose et de dire, voilà, c'est pour toi, prends-le, on l'a fait pour toi. En général, les gens vont dire, ouais, attends deux minutes, fais voir, ouais, bof, oh bah finalement, non. Non, ça me plaît pas, en fait. Mais quand il y a un produit qui n'est pas destiné et que les gens se l'accaparent, ça donne une destinée spéciale au produit. Et c'est là où on voit un succès. Et on a eu tellement de produits comme ça qui sont arrivés, qui n'étaient pas prévus pour avoir un tel succès, qui ont complètement inondé le marché. Alors pour moi, ce genre de paire-là, c'est, après il y a ASICS, mais il y a d'autres modèles comme la P6000 de chez Nike. Pour moi, ça, c'est des modèles qu'on ne voit pas spécialement sur les réseaux sociaux où les gens vont poster avec, sur Instagram notamment. En fait, c'est plus en premier validé par la street que validé par Instagram pour moi. Bah notamment beaucoup on la voit, ça c'est une paire de la Tess un petit peu, c'est une paire des banlieusards. Et comme on dit, la banlieue influence Paris, Paris influence le monde. Donc du coup on l'a vu beaucoup en banlieue. Ensuite elle a atterri au pied des Parigots. Elle a fait son chemin toute seule comme une grande sans avoir besoin de spécialement d'Instagram et tout le reste quoi. Donc moi je trouve ça cool que la rue arrive à s'accaparer de modèles sans être bombardée de pubs sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est plutôt pas mal je trouve. Obligé, est-ce que tu peux revenir? Désolé tout à l'heure, j'ai un petit peu brusque. Non, mais au calme, c'est pas grave. Je vois, tu me dis que je fais pas m'habiller, tu vas m'habiller, c'est pas grave, au calme. Non, on est ensemble. Si c'est pour être BG comme toi, j'accepte. Hein. Tu sais que les gens à l'ancienne s'habillaient avec des ensembles et ils mettaient ces petites paires pour aller courir, tu vois, running avec des trucs fluo, tout ça. On va tenter de faire ça aujourd'hui. Ouais, tenter. Mais on va essayer aussi d'avoir une tenue très très stylée, tu vois, actuelle. Okay. Ah, peut-être un petit jean, un petit pantalon, moderne, tu vois, okay, la coupe droite, propre, une belle tenue. Okay. Un deuxième coloris d'ailleurs, je sais pas lequel tu préfères. Je préfère le rouge en vrai, ouais. Le orange, je sais pas comment trop le matcher. Après, c'est toi le chef style en vrai, donc tu vas peut-être me dire. Moi, j'aime bien les deux. Celle-ci, je la trouve un peu plus discrète parce que le rouge, tu vois, il frappe, tu vois. Ouais, ouais, donc, j'aime beaucoup beaucoup celle-ci. Du coup, vous pouvez trouver cette douceur chez Courir. On vous met les liens dans la description, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que tu fais? Comme d'hab, dites-nous ce que vous pensez de la paire Méné. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du délire rétro-futur. Hein. Argenté. Donc, pour le Street Style BG. Babax. Mike.